vieille chouette. Il a appelé moi la vieille chouette. Vous la connaissez? La chose aussi. J'ai vu ça chez Choupita, la merveille. Vous connaissez la vieille chouette, c'est là. Celle-ci. Choupita. J'ai vu ça chez toi. Hein. Si vous connaissez la femme, si vous l'appelez, celle-ci là. Celle qui est que le maquillage. Ma fille, excuse-moi, c'est pas toi. Son maquillage, c'est le gratter, gratter. C'est-à-dire qu'elle a tellement gratté son corps qu'on ne connaît pas si elle est jaune, si elle est noire, si elle est verte. Elle passe à soi, elle s'assoit, elle parle de mon faux papa. Tu es malade dans ta tête, ma. Tu t'es perdu. Les choses que vous faites sur Facebook, là, on fait pas ça à tout le monde. Hein. Tu t'es perdu, tu pars t'asseoir chez notre sale chose des réseaux sociaux, là. L'avant-dernière, parce que après compresseur, c'est elle. Parce que la première, c'est compresseur. Et après compresseur, c'est la sale chose, là. La veuve joyeuse. Toi, excusez-moi, la femme, là, s'appelle comment? Choupita, la merveille. La femme, là, s'appelle comment? Donnez-moi un peu son nom. J'ai entendu dire qu'elle s'appelle l'influenceuse pénitentiaire. Elle habite à Nantes. Apparemment, elle a une boutique de Emmaüs à Nantes. Appelez-moi la vieille chose là. Donc, quand vous vous associez souvent, c'est-à-dire que tu vois le problème de quelqu'un, tu achètes toi. Toi, cela. Toi, la vieille chose là, quand tu regardes ta peau, tu regardes la mienne. Tu es comme on appelle même ça le crapaud. C'est-à-dire que le crapaud a mille couleurs. On a gratté le crapaud. C'est-à-dire le crapaud, c'est un animal qui a mille couleurs. Donc, comme toi, tu te vois là, quand tu te regardes, tu me regardes. On est de la même génération, madame. Quand tu te regardes là, toi, la vieille chouette, Soupita la merveille, s'il te plaît, donne-moi son nom. Toi, la vieille chouette de Nantes là, avec ta copine, Bolingo, la vieille, vous l'appelez comment? Je mets un peu le volume, vous allez écouter. Reviens sur le truc. La vieille chouette de Nantes, vous l'appelez comment? Influenceuse pénitentiaire. Je dis, hein, quand tu partais t'asseoir chez... Je n'avais même pas encore vu l'autre là. C'est au Djoudjou là qu'on m'a envoyé ça. Djoudjou Kalaba. Djoudjou Kalaba. Regarde comment tu es laide. Tu dis que tu es la femme de qui? De Frambia. Quand tu regardes mon père, mon tonton, c'est la femme, c'est le genre de femme si comme toi là. Est-ce que tu t'es vu? Tu t'es regardé? Regarde, regarde bien, regarde. Tu mets, ça dit ton fond de... Tu mets le fond de teint jusqu'à... Tu ne sais même plus comment faire. Est-ce que tu as vu mon visage? Tu as vu mon visage? Il n'y a pas de fond de teint dessus. Il n'y a que le rouge à lèvres. Et les dents sont toutes blanches. Regarde. Donc, tu partais t'asseoir chez Bolingo. Toi, celle-ci. Toi, là. Il faut savoir que quand l'Europe vous a dépassé, pardon, priez-vous. Nous tous, nous allons rentrer au Cameroun. Mais quand l'Europe vous dépose à un niveau, laissez les gens tranquilles. Tu partais t'asseoir chez ta collègue, Bolingo. Quand tu devais lui faire, soi-disant, la cuisine, pour parler de mon père, mon feu papa. Ça ne marche pas dans vos têtes. Donc, quand tu pars t'asseoir chez l'autre la vieille rombière des réseaux sociaux, la dernière des femmes, qui est incapable de laver ses fesses qui coulent le sang, c'est-à-dire elle est assise sur son canapé, les fesses de Bolingo, ça coule le sang. C'est-à-dire que quand elle s'assoit, ça se lève. Ma chérie, regarde, regarde bien ça. Tu as vu ma chatte? Quand je suis assis, tu vois les... C'est-à-dire que quand on voit toi, ta chatte Bolingo, ça coule le sang. C'est le sang qui sort. Sans compter l'eau qui suinte. Et vous partez t'asseoir, tu peux partir vous asseoir avec ta vieille chouette de Nantes, comme vous ressemblez là. Parce que quand je regarde, hein, voilà ça. Voilà ça, je vais remettre. Heureusement que Choupita la merveille a copié jusqu'à, elle m'a envoyé. Voilà ça ici. Quand vous parliez de moi, vous parlez de mon faux papa, vous deux là, les vieilles sorcières comme vous, les vieilles sorcières, je dis, hein, vous vous êtes bien regardé. Quand vous me voyez là, regardez bien, regardez, je vous ressemble, ma chérie, regarde, regarde comment tu forces le rouge à lèvres sur ta bouche, tu forces même le fond de teint, jusqu'à tu forces le fond de teint, tu forces les fards. Tout ça, tu es assise chez ta quota. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai suivi comment tu l'insultes aujourd'hui. Tu as dit que tu vas faire citation directe. Ma chérie, tu n'as pas honte. Quand tu partais t'asseoir chez elle, il n'y avait pas de citation directe. Ou vous vous asseyez, vous êtes assis sur mon nom, sur le nom de mon faux papa, pour m'insulter, insulter mon faux papa qui repose en paix. Il n'y avait pas de citation directe. Tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Tu es qui? Qui t'a dit que tu es une personne?
ou ne, qui t'a dit que tu es une personne avec ta quota? Parce que tu te mets, ça dit, je te rajoute dans la bande des femmes qui ont raté leur vie. Ça dit qu'après, il y a votre premier, la présidente des femmes qui ont raté leur vie, c'est Compressor Maléba. Après vient Bolingo, la veuve joyeuse. Après toi, là, tu te rajoutes dans la liste des femmes qui ont raté leur vie en Europe. Ma, regarde, regarde-toi. Hmm? Ça, c'est là où tu étais assise chez la veuve joyeuse, où tu me lavais avec ta copine. Regarde, regarde ton fond de teint. Tu as mis, ça veut dire que regarde toi-même, tu crois, quand toi-même tu te regardes là, les cheveux blancs que tu caches avec la perruque là, j'ai ça sur ma tête. Quand toi-même tu te regardes là, tu vois vraiment que toi et moi on se ressemble. Moi je suis noire, hein, et c'est mon noir naturel. Mais toi quand je te regarde, regarde, le fond de teint de ça, je ne sais même pas comment tu fais pour ne pas salir les gras de ton homme. Le fond de teint seulement. Le fond de teint, n'en parlons pas alors de tes fesses. Parce que je suis sûre que quand je regarde ton visage, je regarde le fond de teint qui est sur ton visage, je me rends compte que même tes fesses sont pareilles que ton fond de teint-ci. Parce qu'une femme qui se montre comme ça, là, que le fond de teint, ça suinte sur le visage. Ça veut dire que même là-bas, en bas, ça coule. Les vieilles choses, ça veut dire que quand je suis dans mon coin, ne me provoquez pas. Parce que moi, je ne provoque pas les gens. Tu partais t'asseoir chez la veuve, celle-là que elle s'assoit quand elle s'élève, c'est le sang qui sort, c'est l'eau qui sort, sans compter les asticots. C'est chez elle que tu allais t'asseoir pour m'insulter. Toi la vieille chouette, regarde encore bien, regarde, c'est toi ici. C'est toi ici, quand tu partais m'insulter chez la veuve. C'est toi. Il y a même un autre, il y a une autre encore, je vais partir sur mon truc. Je repasse sur mon truc. Il y a une autre que j'ai. Ça dit que j'ai vu. Je passe sur mon compte. Parce que ça dit que je me suis demandé que une femme comme ça là. J'étais vue sur. Tu faisais un direct hier avec les cheveux détachés. Les cheveux sont d'abord sales. Non seulement tes cheveux sont sales, et en plus de ça, tu es sale. Tu es. Ça dit que. Ce n'est pas la saleté, c'est que c'est le produit que tu mets sur toi. Apprenez à acheter les produits dans les yeux. Il y a les produits en pharmacie, parce que quand je te regarde ta peau là, tu dis que tu es riche, tu es diamantaire. Arrêtez de fatiguer les gens. Et c'est la dernière. Ne vous assurez. Laissez mon nom dans vos fesses. Laissez mon nom dans vos fesses. Toi, Bolingo, veuve joyeuse, je t'avais dit que quand tu vas venir me montrer, ce sont même les tics fonciers là. Quand tu viendras ici sur Meta me montrer les tics fonciers que toi, Bolingo, une femme, les tics fonciers que toi, Bolingo, une femme comme moi, tu as acheté, tu as fait de tes propres mains avec ta chatte. Là, je vais te parler, là, je vais te respecter. Mais tant que tu ne me montres pas ça, tu me la fermes. Tu laisses, ça dit que tu me la fermes. Tu me la fermes. Parce que pour moi là, tu es zéro ma gala. Mais ce n'est même pas pour toi aujourd'hui. Parce que celle que je parle aujourd'hui, c'est celle de Nantes là. Parce qu'elle était assise chez toi quand elle déchirait mon nom. Quand elle déchirait mon nom, et toi la Nantes là. Je connais, ça dit, je t'ai suivi, je te suis depuis 3 jours. Et je ne savais pas que tu t'étais assise sur mon nom. Je ne savais pas que tu t'étais assise. Moi, je recommande totalement le nouveau sensibilité. Je dis que Angela Zeta, je ne savais pas que la laide chose de Nantes s'était assise sur mon nom. Ça dit que quand, ça dit que je ne sais, c'est tout à l'heure que, mais heureusement que j'ai les filles partout. Merci mes filles. J'ai les filles partout. Ma, ouvre encore. C'est tout à l'heure qu'on me montre que la mère, je tombe donc sur la caricature de Nantes. Ma chérie, tu t'es. Ça dit, tu t'es trompé. Quand tu me regardes là, maman, je vais te montrer ma chatte, tu as compris? Parce que vous là, vous aimez quand vous. Ça dit, vous aimez quand on descend dans la boue avec vous. Ma chérie, quand tu te regardes là, tu vois ma chatte. Quand tu te regardes là, je ressemble à une femme qui se lève les fesses cool. Hein? Parce que vous, quand vous n'avez rien à faire, vous partez pointer quelqu'un qui ne vous a pas provoqué. Tu partais me provoquer, tu avais provoqué. Je te connaissais. Est-ce que je te connaissais? La musique qui joue, je ne suis pas propriétaire de ça. Je vais baisser le volume. Je te connaissais pas. Quand tu partais t'asseoir chez la veuve joyeuse, mamie coule fesse,
Mamie sans sang. C'est-à-dire que quand la veuve se lève, c'est le sang qui sort. C'est les asticots et l'eau qui sort. Toi, alors, quand moi, je t'ai vu, parce que depuis 3 jours, je suis tout ce que tu sors, ce que sort de ta bouche, oh, l'hésitation directe, oh, tu avais. Quand je te regarde, tu ressembles à une femme qui peut donner 4000 euros à une femme. Ma chérie, au lieu de prendre ton argent, aller gérer ta famille au Cameroun, tu prends ça pour aller donner à la plus groguée des Camerounaises. La plus, ça dit la plus dernière, parce qu'elles sont deux. Il y a Compression Maléba et la Veuve Joyeuse. Ouvrez bien vos oreilles. Il y a Compression Maléba et la Veuve Joyeuse. C'est les deux derniers lascars, ça dit les lascars internationaux des réseaux sociaux des Camerounaises. Et comme toi, tu es allé t'asseoir dans le réseau des dernières des femmes. Tu pars t'asseoir, tu parles sur moi. Tu me connais où? Est-ce que je te connais? Je te connais, madame. Tu partais t'asseoir sur moi et tu t'assois sur le pauvre papa. Mon pauvre père que j'ai enterré pour déchirer son nom. J'ai comme l'impression qu'il y a un boulon qui manque souvent dans vos chats. Les chats baveux, ça dit qu'ils suintent. Et quand je regarde ton visage, je vais encore remettre. Quand je regarde ton visage, le fond de teint, c'est le genre que ça salit même les gras. Les gras. Regarde. Je suis dans la merveille, je te remercie. Regardez. Regardez. Elle est même pour la vieille, la lasca d'Engala. Celle qui dit qu'elle est la gars de mon tonton Franck. Celle-ci. Celle-ci, toi-même, ma chérie. Vraiment. Même le dernier des commissaires au Cameroun. Parce que toi, là, c'est les soldats. Excusez-moi, les soldats, je n'ai rien contre vous, mais c'est votre femme ici. Voilà votre femme ici. Les soldats du Cameroun, voici votre gars. C'est ça. Parce que toi, tu ressembles au gars des soldats. Les gars qui met le fond de teint. C'est-à-dire que quand tu pars avec elle sur le lit, dès qu'elle se lève comme ça, les crasses de fond de teint restent sur les gras. Pardon, Choupita, je te remercie. Regardez, elle fonce le crayon. Ma chérie, regarde bien mon visage. Tu as vu ma peau? Regarde, tu as vu ça? Ça, c'est noir chocolat. Noir chocolat, je ne force pas le fond de teint. Je ne mets pas l'huile, mais toi, attends, je te remontre encore. Regardez, regardez où elle a 10 couleurs. Elle doit avoir 10 couleurs sur elle. Oh, wow. 10 couleurs. Comment une femme peut avoir 10 couleurs sur elle? Regardez. Voyons. Me bien me cou. Il a une oiseau. Me bien nous. Toujours. Te voici ici. Voici tout pour toi ici là. Voici tout pour toi. Si j'ouvre encore la page de ta quota, toi-même tu vas demander que tu partes chercher. Fais encore. Ouvre bien. On toujours. Voici tout ta part ici. Voici tout ta part. Regarde. Voilà tout ici. Cherchez-moi le Facebook de cette vieille chouette. Jusqu'à. Regarde. Voilà. Voilà tout pour toi ici. Voilà tout pour toi. Regarde. Regarde-toi. Tout pour toi là. Toi, voilà. Voilà tes limites ici. Te voir. Voilà tout pour. Tout. C'est-à-dire que quand tu dis que tu es de Nantes, tu as la boutique à Nantes. Te voici ici. Ma chérie. Une femme qui a la boutique ressemble à ça. Regarde toi-même. Hein? 3 couleurs. Non, ça, c'est même pas 3 couleurs. Elle doit avoir même 10 couleurs. 10 couleurs, regarde. 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 Le fond de teint. Le fond de teint. Ça veut dire que tu voulais imiter qui? Tu voulais imiter qui? Quand vous ne connaissez pas faire le make-up, il faut demander. Il y a la TV Lolo Fondia qui fait bien le make-up. Quand vous ne connaissez pas, demandez à la TV, elle va vous montrer. Regarde ta part de make-up. Ma chérie, et tu pars t'asseoir, tu ouvres ta vieille bouche avec ta collègue, la veuve joyeuse, pour parler de mon père, de mon feu papa. Ça ne va pas dans vos cervelles. Vous êtes égarés. Vous êtes égarés, maman. Apparemment, ta boutique, c'est la boutique de... Comment une ancienne benguiste de ton niveau, tu peux encore vendre, tu peux encore prendre les habits à Emmaüs pour venir remettre dans ta boutique? Ya! Yeah! C'est pas la malédiction, ça, maman. Tu prends les habits d'Emmaüs, c'est ça que tu viens mettre dans ta boutique. Et tu dis que tu vas faire citation directe à quel autre vampire, là.
Gracula, voilà l'autre ici. Voilà ta collègue, Gracula. Celle-ci alors, j'ai dit que celle-ci, c'est la racaille. C'est-à-dire que celle-ci alors, je ne sais même pas comment elle peut. Celle-ci, regardez, regardez. Je dis, elle va le tous. Regardez à quoi elle ressemble. Gracula. Gracula, c'est Gracula. Ne l'appelez plus la veuve joyeuse. Elle là, c'est Gracula. Regardez. Regardez les yeux d'une sorcière. Regardez vous-même. Regardez, c'est une femme ça. Regardez. L'autre jour, elle a dit qu'elle fait les lèvres. regardez. Elle va boire. Regardez. Quand, ça c'est quand elle a là voilà son départ. Elle tient un peu. Elle tire, et voilà. Maintenant, elle pose le verre. Regardez. Regardez. Oui. Attendez. Il faut qu'on mette le volume. Pardon, ma puce. Viens mettre un peu le volume. Elle est en train de laver sa photo de Nantes là. Tu vois que elle ne veut toucher. Écoutez. Tu ne le toucheras jamais. Il ne va jamais. Il ne va jamais te pousser. Ta propre copine, toi la femme de là. Donnez-moi le nom de la vieille chose là. 94, oui. Voilà, les, voilà l'association des Gracula. L'association des laides de filles. Les dernières, dernières des catégories des filles. Vous vous asseyez pour parler le nom de René Stadelli. Vous m'avez bien regardé. Regardez à quoi vous ressemblez, voilà, regardez. La cigarette de ça. Regardez, Romain, regardez. Celle-ci, qui va te prendre en mariage, Zé Nyonwa le bas, toi, qui va te prendre en mariage, celle-ci. Tu sais, ma, moi, je veux pas. Et il faut que tu saches que ce qu'elle a en train de te faire là, elle m'a fait ça quand tu étais assise chez elle. Elle m'a fait ça, tu étais assise chez elle. Et c'est sous nos yeux là que mes filles m'ont envoyé ça. Voilà ça. Là, elle est en train de te laver. Et l'autre que j'ai montré, c'est quand tu étais assise chez elle, quand vous étiez en train de me laver. Elle dit que tu suis au pénis. Je ne veux pas prononcer, c'est mon tonton, mais je te dis bien que. Laisse le tonton là, c'est mon tonton. Tu parles pas. Là, moi, je suis comme ça. Tu as vu, elle veut me toucher. Tu as vu comment ta copine t'a mis par terre. Elle t'a fait ce qu'elle m'avait fait. Quand tu la défendais en insultant mon vieux père qui repose en paix, tu ne savais pas qu'elle devait te sortir ça. Mais faut que vous-même écoutons. Regardez. Une femme. Elle va tirer. Regardez. Voilà votre niveau ici. C'est votre niveau comme ça là. Femme. Vraie femme. Bitourbi Binka. Yenkan Binka. Yenkan. Bitourbi Binka. Tu sais, ma. Moi, je veux pas. On revient encore. Pardon, il faut qu'on revienne. Voilà l'autre. Voilà l'autre ici. Voilà l'autre. Vous ne voyez pas qu'elle se ressemble. Vous ne voyez pas que les deux garçons se ressemblent, hein, mes co. Elles se ressemblent. C'est même père. Voilà l'autre. Elle, c'est le fond de deux. Regardez. Maman, regardez. Et Anti, waouh, le bleu, même le bleu souffle même pour que ça entre dans l'œil. Regardez, le make-up souffle dans vos mains. Le make-up souffle dans vos mains. On repart encore sur l'autre. Voilà. Elles sont deux, les voilà. Les deux acolytes. Les voici. Donc, vous avez vu, non? Les deux acolytes là, elles se sont assises. Chez l'autre grogué là, elles se sont assises sur mon nom pour dire, pour parler sur mon faux papa. Père son âme. Là,
voilà, ça dit aujourd'hui, elles se sont cassées. L'amitié est bonne et haut. L'autre qui dit que, oh, ou la cuisine de 4000 euros avec. J'ai dit à mamie Nante, quand tu dis que tu fais citation directe à une personne qui est comme toi, mais parce que vous vous ressemblez, parce que quand tu partais en crèche, la bordel, parce que moi-même, je suis une bordel, mais pour elle, là, c'est bordel zéro. Quand tu partais en crèche, la Dracula, la vampire des réseaux sociaux, parce que sa collègue, c'est Compresseur Maléba, elles sont comme ça deux. Il y a Compresseur Maléba, il y a elle, la veuve joyeuse, c'est les deux Dracula, les deux sorcières des réseaux sociaux, les deux sorcières qui ont raté leur vie internationale de la diaspora en Afrique. Les deux femmes là. Et toi tu quittes. Tu étais toi dans ton coin à Nantes. Donc tu as parti quitter. Tu as traversé, tu as pris le train, tu as atterri à Suresnes. Tu es allé t'asseoir chez la vampire pour parler de moi. Ma chérie, toi et moi, on se connaît. On se connaît. Je te connais même. C'est avant-hier que je t'ai connue. Hein. Et aujourd'hui, parce qu'on m'a envoyé les bêtises là. C'est aujourd'hui que j'ai encore bien, j'ai demandé que mes celles-ci, elles s'est perdues de route sur moi. Ma chérie, tu partais ta soeur sur moi. Insulte moi-même, c'est pas, mais tu pars parler de mon papa, mon faux papa. Quelqu'un qui repose en paix. Vous vous asseyez pour faire la réunion des sorcières. Et quand je regarde ton machin, ton truc là, je me suis demandé que celle-ci, je dis, l'eau est finie en France. L'eau est finie en France. Quand toi-même tu regardes la mer, là, elle se lave. Vrai, quand tu as vu la mer, là, elle se lave. Non. Hmm? Non. Mais. Avec le Njansan. C'est le Njansan qui te lave la mer, si. Avec ta copine. C'est le Njansan qui te lave. Moi, j'ai ma fille ici, quand elle se met bien, elle est comme une blanche. Belle. Mais quand toi, je te regarde, ta part de Njansan, là, c'est quelqu'un qui a été de Njansan, ma. L'eau coûte moins cher en France. Tu es incapable d'utiliser l'eau de Macron pour te laver. Tu prends le Njansan, tu grattes. Voilà ça maintenant que tu es obligé de forcer le fond de teint sur ça. Parce que tu allais t'associer à une bande de racailles. Les dernières des femmes des réseaux sociaux internationales reconnues. Elles n'ont rien. C'est les pauvres. Je vais donc te dire. Tu t'es associé à l'association des pauvres femmes. C'est-à-dire que quand on compte les vraies femmes ici, elles sont, c'est les dernières, des dernières. Il y a Compresseur Maléba, Perpétue. Et l'autre, là, ta copine là, comment vous l'appelez, la veuve joyeuse ou Bolingo, ou quoi. Astico, me bime, coule, le sang qui coule aux fesses. C'est là-bas que tu es parti en train pour insulter moi. Même avec mes petites soeurs, ma chérie, c'est bon pour moi. Les petites soeurs que tu vois, si ça, alors nourrit trois enfants. 22 ans, 19 ans et 17 ans.